Dans une course, les coureurs les plus proches de l'arrivée sont, dans cet ordre, Anna, Boris, Clémentine et Diego. Après quelques dépassements, l'ordre est maintenant Clémentine, Boris, Diego et Anna. Question, combien y a-t-il eu de dépassements au minimum? Voici la situation de départ. Le plus proche de l'arrivée, c'est A, ensuite B, puis C et ensuite D. La situation finale, c'est celle-là. Nous voyons que là, A était en première place et maintenant A est en dernière place. Par conséquent, il faut que B dépasse A, ainsi nous avons cette situation-là. Ensuite, le C doit aussi dépasser le A pour avoir cette situation-là. Et finalement, le D doit aussi dépasser le A, ainsi on a cette situation-là et A est bien en dernière place. Pour avoir cette situation-là, il faut que le C dépasse encore le B. Donc, il y a eu au moins 1, 2, 3, 4 dépassements. La réponse D est donc la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.